ce jeune artiste qui s'appelle Dimlo. La créativité, le style, la balance des couleurs, la lumière, toutes ces photos ont une chose en commun. Elles sont prises à Thiès, dans la capitale du Rail. Des images symboliques de la ville qui, vues par un Thiessois, peuvent donner un sentiment de nostalgie. Des images qui peuvent également avoir un impact sur tout visiteur. Vendre la destination Thiès à travers la photographie, une ambition de Doudou l'homme, Dimelo de son nom d'artiste. Un jeune manager en prospection-vente, photographe à ses heures perdues. Le cadre est idéal et il y a beaucoup de choses à montrer. Et voilà, nous voulons faire de Thiès une destination en montrant ce que réellement Thiès regorge, en montrant tous ces espaces que nous avons, ces espaces verts, en montrant aussi toutes les opportunités qu'une personne pourrait avoir en venant à Thiès. De la poésie au slam, Dimelo a une passion exacerbée pour la musique et pour l'art. Il considère la photographie comme une sorte de poésie de la nature. Avant, c'était avec la musique. Et petit à petit, voilà, cette passion pour la musique, ça s'est concrétisé avec la photographie, parce que avant c'était la poésie, le slam et autres, et la photographie aussi une forme de poésie aussi. Donc c'est ce qui nous a poussé à vouloir promouvoir la région de Thiès via des supports photographiques, parce que voilà, avec la photographie, ça parle. Au-delà de rendre attractive la capitale du rail, Dimelo veut faire des œuvres de bienfaisance avec des revenus issus de la vente de ses tableaux. On va essayer de cultiver le patriotisme ou l'esprit d'appartenance à l'échelle, à micro-échelle, faut dire. Voilà. D'abord, on prend ces photos, on les met chez nous, au lieu de mettre des photos de Tour Eiffel et autres, on va mettre des photos de la région de Thiès. Pour commencer, on met ça dans nos administrations, on va mettre ça dans les structures qui sont ici à Thiès. Et nos expatriés aussi pourront bénéficier de ces photos. Si ces photos peuvent valoir quelque chose, et que ce soit vraiment retourné à la population thiésoise, que ce soit vraiment retourné à la région de Thiès. Déjà, 25% des revenus que ces photos vont rapporter seront directement versés pour la pouponnière Sourire Bébé. Ça, c'est l'initiative que nous avons eue. Et ça, c'est en collaboration avec Thiès En Marche. Thiès En Marche, une plateforme de jeunes citoyens engagés pour le développement et le rayonnement de la région de Thiès. On sait que avant l'engagement citoyen, il y a d'abord l'amour. Et pour que le citoyen s'engage à aider sa communauté, il faut d'abord qu'il ait ce qu'on appelle l'amour de sa communauté. Et à travers ces images, cela reflète la beauté de Thiès. Le Thiessois a un rapport très direct et intime avec sa région. Et je pense que ce projet est parti pour réussir. À tous les ressortissants de la région de Thiès, l'appel est donc lancé pour soutenir le projet de Dimelo pour que chaque Thiessois puisse disposer d'une photographie symbolique de sa ville et cultiver ainsi le sentiment de fierté et d'appartenance à la capitale du Rail. Autre rencontre à Madoukou.